Voilà, je fais partie du marché maintenant, tout le monde me connaît et ils viennent là, bonjour, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, ainsi de suite. Ils se demandent quelquefois pourquoi je viens là tout à chaque fois, mais c'est devenu en mai pendant 2 ou 3 mois, c'est ça. C'est ce que je fais. Parce que je pourrais même le faire en hiver, mais quelquefois avec la pluie, c'est pas toujours évident. Ok, quand l'hiver est passé, au mois de mai, je viens presque tous les samedis au marché de Sainte, qui est à côté de la cathédrale. Et je viens ici parce que j'adore les marchés, les foules par exemple. Parce que j'étais habitué quand j'étais petit, mon grand-père avait un marché, allait au marché, donc j'y allais avec lui. Et les odeurs, les couleurs, les gens qui parlent, tout ça m'attire. Et c'est une manière de peut-être sur les marchés, il y a des gens qui, des vieilles personnes qui viennent vendre les produits de leur jardin, les vrais, les anciens. Et je crois que dans quelques années, ils vont disparaître. Maintenant, ce n'est qu'ils viennent avec des gros camions. Et je crois que les supermarchés vont prendre, les marchés disparaîtront après une dizaine d'années, peut-être il n'y aura peut-être plus de ça, donc j'essaie d'immortaliser tout ça. Généralement, je me lève très tôt le matin, à 5h30, pour arriver à 6h à peu près, en même temps que les marchands, parce que j'aime bien parler avec eux, et puis j'aime bien quand ils s'installent, quelquefois je même prends des photos, je fais des dessins, ainsi de suite, pour l'hiver. Et je crois que c'est une connexion, et puis ça me permet de trouver mon endroit pour peindre, quoi. Parce que c'est pas toujours évident de trouver une place. Hein. Chaque marchand a au centimètre près à sa place. Donc quelquefois, et je sais que quand vers 10h, il y a une foule extraordinaire qui va venir là. Si je suis pas à l'abri d'un petit coin où autrement ils vont faire tomber mon chevalet, certainement. Vous verrez sur certains de mes tableaux, vous verrez des morceaux d'insectes, des morceaux de coquelicots. Comme aujourd'hui, je peux mettre un coquelicot, je peux le poser. On prend un peu de peinture et les noyer. Voilà. Je crois que plus tard, quand ils vont analyser le tableau, ils vont voir qu'il y a des morceaux de coquelicots. Comme ça. Voilà des. Et ils s'apercevront, tiens, il y a des coquelicots qui sont venus se poser là. Bon, pour moi, le plus important, c'est de peindre dehors. Bien sûr, je peux peindre à l'intérieur. Souvent, je prends des photos et je me dis, je vais les faire cet hiver, quand il va faire mauvais. Mais après, je me retrouve avec un tas de photos, je les regarde 50 fois, je les vire, puis j'en choisis une quelques fois, je commence un tableau, puis. C'est pas ça, quoi. J'ai envie de ce moment qu'on est dans la nature où qu'on est. C'est pas toujours évident de peindre, où il y a du vent, où il faut tenir son chevalet. Pour moi, ça me manque. Il y a 50 ans, ces arbres, à peu près 50 ans, 55 ans, j'étais là quand mon grand-père les a plantés et greffés ensuite. Et d'ailleurs, il m'a appris à greffer ces arbres. De temps en temps, peut-être une fois tous les ans, je vais à son cimetière où il est enterré, et au lieu d'emmener des fleurs, j'emmène une branche avec des cerises dessus, juste pour lui dire merci de tout ce qu'il a fait pour moi. Parce qu'il était là pour acheter il était toujours là pour acheter des crayons de couleur, des peintures, il était toujours des papiers, même des perles même. J'aimais même acheter des perles de couleur pour que je les enfilais pour faire des sculptures, ainsi de suite. Voilà, puis ici c'est un peu mon pèlerinage, quoi. C'est le début de ma vie de peintre.
Ouais, je pense toujours à Terre-Neuve, bien sûr, même quand je ne peins pas des bateaux, hein, surtout quand je... Bien sûr, au bord de la mer, Terre-Neuve revient toujours à l'esprit, parce que Terre-Neuve, c'est surtout la mer. Mais ici, non, je vois un bateau, tous les bateaux sont... ils flottent, quoi, ils sont à peu près tous faits pareil. Les couleurs changent un peu quand même. Je crois qu'en France, les bateaux sont plus colorés. Il y en a certainement plus que dans les ports à Terre-Neuve, surtout dans les petits ports de Terre-Neuve. Mais non, c'est des choses, je ne pense pas. Quand je peins, je me concentre surtout sur le sujet. C'est peut-être quand j'ai fini de peindre, après j'essaie de je pense bien sûr à Terre-Neuve plus, mais quand je suis en France, c'est tout. Okay, George, you got 10 minutes to finish your painting. You got 10 minutes to finish your painting. Vous savez, c'est un dur. Il aime la difficulté, le défi de parcourir ces endroits, traverser 5 km de marécage afin de trouver l'endroit idéal pour s'installer. Oui, nous avons commencé à peindre ici. Il a toujours été intéressé. Il a commencé à peindre à Terre-Neuve. Il était électricien à ce moment-là sur les docks. Et il est venu sur un câblier, aussi loin que je m'en souvienne. Il est incroyable qu'il soit si connecté. Il n'est pas originaire de Terre-Neuve et il y a passé beaucoup de temps. Pourtant, il n'est pas né là. Il n'a pas grandi dans les marécages, mais il est relié d'une certaine façon. Beaucoup de gens nés ici ne le sont pas. Le paysage s'identifie à lui. Ils sont si identiques. La première fois que j'ai vu ces peintures, j'étais juge dans un concours. D'après son travail, je pouvais voir que c'était dans les années 70 ou 76, je crois. En observant son travail, je me suis dit, voilà un homme qui aime peindre. Vous savez, je crois que la nature l'a forgé à travailler de cette façon. C'est ce que je pense. Jerry et tous ceux qui vont dans la nature suivent le même chemin, ont le même esprit. Le paysage terre-neuvien, il n'y a rien de mieux. J'ai visité plein d'endroits dans le monde, mais Terre-Neuve est comme un bijou pour moi. En regardant ses pieds, on y découvre toujours quelque chose.
And the Newfoundland landscape, yeah. On va toujours peindre ensemble. C'est ce qui nous lie. Boire du bon vin et le paysage de Terre-Neuve. C'est vrai qu'il peint le paysage français mieux que moi. Je ne l'ai jamais bien peint. J'en ai fait quelques toiles qui me rappelaient du mauvais Monet. Mais je n'ai jamais été proche de ce genre de paysage. Jean-Claude, lui, a ses deux amours dans sa vie. La France est très importante pour lui. Son paysage aussi. Il est aussi proche de la nature ici que là-bas. Maintenant, vous pouvez prendre un cliché, le rapporter au studio et y travailler dessus pendant des mois. Vous pourrez avoir quelque chose assez proche d'une photo. Ou bien, pour 10 dollars, vous pouvez aussi avoir la vôtre. Jerry a peint tous les rochers et les arbres. Et moi, tout l'espace autour. Le ciel est vraiment merveilleux. Il est très important. Et je trouve que un ciel presque abstrait est idéal pour décrire la Terre. C'est la façon dont je vois Terre-Neuve. Je pense qu'il faut un ciel imposant. Mais il faut travailler vite. La pluie, les moustiques. Vous pouvez voir tout ça. Lorsque vous regardez une toile, c'est ce que vous pouvez voir. C'est comme un grand mouvement. C'est le désordre. Au début, et petit à petit, ça vient. C'est dur à décrire. J'aime ça, c'est tout. Nous sommes amis depuis 30 ans et je l'ai vu grandir, évoluer en tant qu'artiste, ce qu'il est sûrement. Vous savez, il a dû arrêter son boulot et quand il a réalisé qu'il allait retourner en France, c'est à ce moment-là qu'il a fait une pause, sachant qu'il continuerait sûrement en France. Tous les objets que je collectionne, qu'ils soient vieux ou récents, tous les tableaux que j'achète, que j'acquiers, qu'ils soient vieux ou récents, ont un point commun, c'est Saint-Pierre et Miquelon. Il n'y a pas de tableau ici, exposé en tout cas, représentant quelque chose d'autre que Saint-Pierre et Miquelon. Alors, dans cette maison, il y a actuellement une quinzaine de tableaux de Jean-Claude Auroy. Dans la peinture de Jean-Claude, c'est sa folie un petit peu colorée, quoi. C'est ses couleurs qui éclatent, ses contrastes, ses points de vue particuliers sur un paysage, sur une ambiance. C'est son interprétation qu'il donne à la vie et qui nous entoure, quoi. Oui, je me souviens très bien de la première fois que j'ai rencontré Jean-Claude. C'était en 1980, à l'occasion d'une exposition, sans doute sa première exposition, qu'il avait organisée, enfin qu'il était venu présenter au Centre culturel à l'époque où j'y travaillais. Voilà, 1980. Et c'est d'ailleurs son exposition qui m'a donné le goût de peindre et qui fait qu'on est devenus amis depuis ce jour-là, immédiatement.
Peut-être qu'il y a justement cette vibration de l'air, peut-être qu'on sent peut-être plus ici, mais effectivement, il peint, et ça c'est une caractéristique de Jean-Claude Roy, il peint énormément à l'extérieur, hein, quasiment sans arrêt, et il fait en fait très peu d'ateliers. Ici à Saint-Pierre-et-Miquelon, je pense que la constante la plus importante c'est le vent, et je crois que aucun artiste comme Jean-Claude Roy n'a pu capturer justement ce vent, arriver à le montrer. Jean-Claude Roy, c'est d'abord l'esprit du mouvement, il arrive à faire sentir l'air qui nous balaye sans arrêt, qui balaye ces petites îles. Et une autre caractéristique aussi de l'art de Jean-Claude Roy, et ce pourquoi je l'aime aussi comme artiste, c'est aussi un peu cette grande originalité grâce à ces soleils qu'il met dans le ciel, ces soleils qui vont reprendre des éléments du tableau. Jean-Claude, ça fait 10 ans qu'on le présente et de plus en plus de gens s'intéressent à sa peinture. Au début, les gens étaient habitués à une peinture très, très régulière, très figurative, des peintres locaux ou autres, alors que Jean-Claude apporte une folie un petit peu, bien que ça reste du figuratif. Et donc de plus en plus de gens ont un œil qui s'exerce à sa peinture, qui s'acclimate à sa peinture, donc c'est très intéressant pour ça. Beaucoup de choses. Ce que j'aime dans la peinture de Jean-Claude, c'est sans doute qu'elle lui ressemble, et c'est une chance pour la peinture. J'aime la puissance de son travail, la capacité à toujours surprendre, malgré la multiplication des œuvres. Je dirais que, bon, connaissant Jean-Claude, de la même façon que je ne sais plus qui a dit qu'à 40 ans, on a la gueule qu'on mérite, eh bien je pense qu'après 40 ans de peinture, la peinture de Jean-Claude a la gueule qu'elle mérite, et c'est une bonne gueule, voilà. Je fais tous les ans, je fais peut-être 5-6 tableaux sur cette île pendant une semaine. Quelquefois, quand il y a du brouillard, quelquefois quand il pleut, mais aujourd'hui nous avons un temps qui est exceptionnel, changé de tous les 5 minutes. Je viens sûrement sur l'île aux marins quand je viens à Saint-Pierre, parce que premièrement, l'île aux marins, on peut appeler ça un paradis pour les peintres, parce qu'il n'y a pas de voiture, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de. Il y a des petites collines. On n'est pas dérangé. Quelquefois, on peut venir là, on est tout seul pour peindre. Ouais, en arrivant, là, l'année dernière, il y avait. Combien ? Trois maisons, là. Et maintenant, il y en a quatre. Je me suis aperçu qu'il y en a une qui est en. Une violette qui vient d'apparaître, qui a été construite sur les anciennes fondations, parce qu'ici c'est quand même assez protégé et on n'a pas le droit de construire partout, heureusement. L'année prochaine, peut-être juste sur cette ruine qui date de peut-être il y a 100 ans, il y aura peut-être une autre maison avec une autre couleur, donc encore un tableau de plus pour immortaliser cette île qui change tous les ans. J'ai connu cette île il y a 20 ans, les maisons étaient toutes grises, c'était des tas en ruine complètement. Ils ont fait un travail extraordinaire pour la mettre en valeur.